aujourd'hui nous sommes au bioparc à Douai-la-Fontaine. Donc en fait c'est un zoo, excusez-moi je parle fort parce qu'il y a beaucoup de voitures. Donc c'est un zoo en fait, et c'est un zoo un petit peu particulier car certains enclos sont dans des grottes troglodytes. Et donc on va aller voir tout ça aujourd'hui, c'est parti. Bien, on est rentré dans le parc et donc on suit le sens de la visite. Donc c'est par là, je sais pas où ça va nous mener, mais bon, on suit la visite. On y va. Là, on est dans un troglodyte. Ah ouais. C'est les bureaux. C'est quoi? Bien sûr aussi. Moi, je me rappelais pas du tout de ce coin-là. Alors là. On est maintenant arrivé dans la volière des oiseaux, là où il y a un petit peu plein d'oiseaux, il y a des pingouins, il y a des rapaces, etc. Donc, petite compilation de tous les oiseaux qu'on a vus. Et il faut aussi dire que c'est la plus grande volière d'Europe. La plus grande volière d'Europe, aussi, je dis. Voilà, on vient de finir de manger, on a bien mangé. Et on va se diriger vers les gibbons. Je sais plus comment ça s'appelle. Ça s'appelle comment? C'est les gibbons à main blanche et à favori roux. Ouais, mais. C'est très long. Ouais. Bien, on vient clairement de faire 10 mètres. Hein. Il y a tout à l'heure, on était assis sur le banc là-bas. Voilà. Et donc, on est arrivé là où il y a les gibbons. Vous pouvez voir que c'est ici. Là, je vois pas trop. Il y a un singe là-bas. Un petit gibbon. Donc voilà, j'essaie de vous faire quelques petits plans stylés. On va maintenant à la vallée des rhinocéros. Espérons qu'on les voit un peu mieux que les hippopotames et les tigres. Normalement, ça devrait être pas mal. Ça devrait être. Le panorama devrait être assez splendide, spectaculaire. Et une splendissimus, comme on dit dans le jargon. Le jargon, on ne dit pas du tout ça. Là, on a une tortue déjà. Oui, il y a une tortue ici. Thank you.
On arrive vers l'endroit sûrement le plus intéressant, ou en tout cas celui qui me hype le plus, le cratère des carnivores. Pour l'instant, il n'y a rien. Bah, c'est normal, on vient d'arriver. On va aller voir s'il y a des lions. Malheureusement, nous n'avons pas vu beaucoup de lions car ils devaient se cacher à cause du soleil et des fortes chaleurs. Mais on a quand même vu une lionne au loin. Et malheureusement, c'était tout pour les lions. Mais à côté de l'enclos des lions, on pouvait faire certaines activités. Et une consistait à courir sur un tapis pour mesurer la vitesse à laquelle on court.